nama una o te tai ipu ipu uati o hi te mata i te ata o o mua. Bonjour, Kao Hanui, c'est parti pour 4 jours de festival, 4 jours de partage culturel. D'abord entre les 6 îles marquisiennes et ensuite avec les 6 délégations venues de France, du Canada, mais aussi du Grand Pacifique. Plus de 1400 festivaliers fiers de leur culture respective. Cela faisait 12 ans que les 2600 habitants de Nuku'hiva n'avaient pas accueilli les îles voisines. Et le premier Mavemai est pour Uapau. L'île organisatrice du festival en 2007 ouvre le défilé forte de 300 personnes. Hiva'oa lui emboîte le pas avec presque autant de participants. Suivent ensuite les îles de Tahuata, Fatu'hiva et Uahuka, moitié moins, finance oblige. Récemment jumelée à Nuku'hiva, une délégation du Mont d'Or de Nouvelle-Calédonie est présente. Deux frères de Lucien Kimitété foulent à nouveau la terre de leurs ancêtres. À leur côté, 70 Kanaks, Wallisiens, Tahitiens et Marquisiens vivant sur le caillou. Autre délégation récemment jumelée avec Fa'a'a, les 40 représentants canadiens de Fort McKay. Une ville de 700 autochtones indiens, très attachés à la vie en communauté et aux traditions de leurs ancêtres. Bien que devenus il y a 25 ans nouveaux rois du pétrole, ils chérissent leur culture. Venue d'encore plus loin, la délégation de Castres, ville de France, 33 personnes parrainées par Fatu'hiva. Et pour refermer la marche, les deux rapas du Pacifique, très ressemblantes avec leur peinture corporelle. Rapa Nui la Grande avec sa jeune délégation pasquane, et Rapa'iti, notre méridional, avec son charismatique Piero Fareire, un festival riche et varié qui promet d'être haut en couleur. Merci, c'était Rapa'iti. Benoît Kautai, Kao Hanui. Kao Ha, TPU. Alors, vous êtes le maire de cette commune, vous avez longtemps participé à l'organisation de ces festivals. Votre population a doublé aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce le signe que la culture marquisienne est bien réveillée? Oui, tout d'abord, je voudrais quand même saluer tous les participants. Ça fait chaud au cœur d'accueillir autant de personnes et ça n'arrive que une fois tous les 4 ans. Donc, maire de Nuku'hiva est fier d'accueillir le 8e festival des arts des Marquises. Voilà 24 ans maintenant que les maîtres marquisiens, les Tuhuka, œuvrent pour transmettre savoir et savoir-faire. Est-ce que l'objectif est atteint aujourd'hui? Donc ça, on va découvrir parce que c'est le thème qui a été choisi pour le Matava'a de cette année. Te Aitua, c'est la nouvelle génération. À Uopou, bon, c'était le thème, c'était le Tuhuka, les maîtres. Donc c'est pour ce Matava'a, bon. C'est la transmission à la nouvelle génération. Donc là, on va découvrir. C'est l'heure du bilan. Oui, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure où les Aitua, la nouvelle génération, montrent ce qu'ils ont acquis depuis 24 ans. Alors, que reste-t-il à faire au niveau de cette transmission? Est-ce qu'il y a des domaines où cela pêche encore? Oh, beaucoup. Beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Tout d'abord, d'encadrer la culture marquisienne. La culture marquisienne, parce que. Il n'y a pas que la culture, l'artisanat, le tatouage. Il faut encadrer, il faut un jour qu'on arrive à encadrer tout ça. Les jeunes sont réceptifs? Les jeunes sont réceptifs? Oh, bien sûr, bien sûr. Je découvre que à travers les jeunes qui sont en train de faire le mavé, c'est super. À notre génération, il n'y avait pas ça. Je crois qu'ils ont vraiment acquis toutes ces transmissions. Et selon vous, Lucien Kimitété, l'un des pionniers de ce réveil culturel, serait-il fier du chemin parcouru aujourd'hui? Oh, je crois. Je crois de son petit nuage, il nous regarde et il doit sourire. Merci, monsieur le maire. Un flambeau que d'ailleurs Déborah, son épouse, n'a jamais lâché, même après la disparition de Lucien Kimitété. 24 ans de festival, 24 ans d'implication corps et âme, récompensés hier soir par une médaille de l'Ordre national du mérite. Une reconnaissance de l'État qui fait la fierté de cette marquisienne d'adoption,
comme une seconde récompense pour Lucien Kimitété et aussi pour tous ceux qui œuvrent pour que la culture se perpétue. Cette médaille, ça me signifie de la reconnaissance pour un travail en fait, qu'on a commencé ensemble avec Lucien et avec aussi beaucoup d'autres qu'on ne voit pas dans l'ombre, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, je la porte au nom de tous, parce que ce travail-là, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des gens qui y croient, donc voilà, c'est de la reconnaissance collective. Originaire de Tahiti, Déborah n'est pas un tuhuka, un maître culturel au sens entendu par les marquisiens. Et pourtant, dès que l'on parle de culture, elle est sur le pied de guerre, infaillible, telle une vraie marquisienne. Elle fait du bon travail, elle est toujours là. Elle conserve notre culture, elle respecte. Elle mérite d'être marquisienne. Oui. Je lui tire mon chapeau et puis je lui dis merci beaucoup de ce qu'elle fait pour nous, pour les marquisiens. Parce que je sais que c'est une grande personne quand même et Déborah, elle a beaucoup fait pour nous. Donc je lui dis merci et félicitations aussi. Depuis 2 ans, avec le Komoté, elle se décarcasse pour que l'organisation de ce 8e festival soit la plus parfaite. Un engagement profond comme un hommage à Lucien, ce chef de groupe renommé en 100 ans. Ardent défenseur de la langue et des arts marquisiens, des arts aujourd'hui encore bien vivants. D'ailleurs, Léon et Anna Kimitété, frères de Lucien, ont tenu à être présents. Installés depuis 40 ans en Nouvelle-Calédonie, c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils redécouvrent leur île natale et le chemin parcouru par ceux qui ont choisi de rester. C'était le souhait de Lucien que les descendants de la terre des hommes qui vivent en Calédonie, dans sa diversité, les ethnies qui nous accompagnent. Donc c'est l'histoire du métissage de l'enfant marquisien en Nouvelle-Calédonie, de venir un jour au festival. Mais il a disparu et nous avions été obligés d'attendre que le moment soit venu. Et je pense que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit qu'en 2007, on a eu à Ouapo des transmissions de leur savoir, surtout des grands-parents aux jeunes. Et aujourd'hui, on voit que des jeunes qui se lèvent. Et je crois que tout le monde, ils ont compris, les jeunes, aujourd'hui. Des jeunes bien présents dans chacune des délégations, qu'elles soient polynésiennes ou étrangères, une relève très motivée qu'il faudra encore soutenir quelques années. 3 heures plus tard et 3 kilomètres plus loin, Tuhuka, apprenti et invité, se retrouve sur le magnifique site culturel de Koweva. Là même où Lucien Kimitété et ses amis avaient fait renaître ce renouveau culturel. Ici, 6 cases rénovées cette année, des Ha'e Enana en marquisien, destinées à chacune des îles marquises. Un site sacré qui accueille aussi la case dédiée à Lucien Kimitété, inaugurée par les chefs marquisiens devant tout un parterre d'officiels, et une Déborah submergée par l'émotion. C'est le maire Benoît Kautey qui prendra alors la parole pour cet hommage si particulier. Et bien que le buste de Ro'o Lucien Kimitété ne soit pas achevé, le moment était fort et plein de sens. C'est pas fini, ce n'est que le début. C'est tellement quelque chose qu'il voulait, pas forcément une maison, mais en tout cas que ce site vive. Et au travers de lui, au travers de ce qu'on a fait là, il va vivre. Un réveil identitaire symbolisé par cette stèle en hommage à Lucien Kimitété, un monument installé ici sur le site de Koweva, au cœur de la vallée de Tai'uha'e, un site où se trouve aussi le tout nouveau centre culturel des Marquises, une culture que Jeanne Pekat-Powira nous propose de voir d'un peu plus près au travers de la sculpture et du tressage. Pour comprendre l'esprit qui anime ces festivaliers, c'est auprès de ces détenteurs d'une culture encore vivante qu'il faut se rendre. Ces gardiens du temple de la connaissance érigent un pont entre le monde visible et le monde invisible. Ce pont a pris pour visage le tressage, un héritage sans âge qui a un même message, faire un avec sa nature. En dessous. À Aka, un art du quotidien aux Marquises. Alors le tressage, on l'utilise par exemple pour aller à la pêche. On a besoin d'un panier, il est là. On cueille le niaou, on le ramasse par terre, on fait le panier. Si c'est pour le plaisir, pour les danses, on tresse pour aller danser, pour s'abriter avec un chapeau. On tresse pour
s'enfermer dans une maison. Par exemple, le bambou, on l'utilise à côté. Les fibres, on a besoin pour attacher nos animaux. C'est quelque chose qui reste quotidiennement autour des marquisiens, du peuple marquisien, je crois. Pas question pour les héritiers de ce trésor de s'en défaire. La génération de transition promet d'être en accord avec son temps. La culture, ben c'est sacré, qu'il ne faut pas la perdre. Plus qu'un savoir-faire que l'on veut exporter, c'est bien un savoir-vivre que l'on enseigne. Cette année, ça m'a beaucoup donné à réfléchir et à dire voilà ce que Lucien voulait, que nous continuerons dans la culture marquisienne. Et c'est quelque chose qui est là, c'est le tressage. Certains parleront de folklore, mais ici, dans le chef-lieu d'un homme qui aimait sa culture et qui aimait la danser, il s'agit de vivre en toute humilité. La transmission de la culture était un engagement fort de la part de Lucien Kimitété. Et ici, sur le site de Koueva, nous avons des sculpteurs, et notamment un personnage particulier, il s'agit du conservateur de Ouahouka, Joseph. Joseph, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-il aujourd'hui important de transmettre ce savoir-faire, notamment au niveau de la sculpture ? Il faut transmettre, c'est important, hein, parce que nous sommes déjà vieux. Il faut transmettre aux jeunes, sinon ça va disparaître. Il faut que les jeunes continuent dans l'élève. Quelle est la particularité, selon toi, d'un bon sculpteur? Pour être un bon sculpteur, premièrement, il faut aimer son travail. Premièrement. Et il faut de la patience. Et un bon sculpteur, tu reconnais. Des fois, quand il travaille, il aime son travail, il regarde, des fois il caresse son travail. C'est ça, c'est un bon sculpteur. Alors, dans cette maison, maître et élève sculptent un Kéétou, une roche volcanique aux teintes de la terre, taillée à l'aide d'outils modernes et traditionnels. Avec l'outil moderne, ça avance plus vite, quoi. C'est pour ça aussi, hein. Mais sinon, c'est bien aussi de retourner en arrière, hein, de voir comment ils font avant. Hein. C'est pas aussi évident, mais il faut voir comment les ancêtres ils travaillent. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Est-ce que ça vous inspire du respect? Tout à fait, profondément. Hein. Au fond du cœur, hein, il y a toujours du respect. Hein. Ils sont là avec nous. Hein. On est fiers en plus d'être marquisiens. Hein. C'est la tradition. Hein. Cette pierre symbolisera le dieu Mehaute, le protecteur de la vallée de Ouahouka. Elle témoignera du passage de ces hommes aux mêmes racines. Merci Jeanne pour toutes ces précieuses explications. On se retrouve demain autour d'un grand kaikai, un festin marquisien avec les fameux fours traditionnels. Et puis bien sûr, les fameux fruits de mer bien typiques d'ici des Marquises. Surtout ne ratez pas ça, ka ohanu ipoutou. Koi ahiri i au o nama una o te tai ipu ipu uati o hi te mata i te ata o mua.